La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. Église évangélique du Cameroun, EEC, paroisse de Mélène, la chorale Fils bien-aimé est en fête. Cette chorale, qui fait partie des premiers groupes de jeunes créés dans cette paroisse, présente ce jour ses dons de reconnaissance. Une tradition annuelle, encore appelée fête des récoltes dans les églises chrétiennes. Les membres du groupe qu'accompagnent leurs membres de soutien apportent au Dieu Créateur des dons en guise de reconnaissance au Seigneur pour ses multiples grâces accordées durant l'année. L'euphorie a gagné le temple. Si les gens dansent, si les gens se trémoussent, cela traduit simplement leur fierté. Cela démontre, n'est-ce pas, que du fond d'eux-mêmes, ils sont très contents, ils ne peuvent se contenir. C'est la raison pour laquelle ils sont en mouvement, ils sont en train de danser, simplement pour traduire l'émotion, n'est-ce pas, qu'ils portent en eux. Parce que la chorale Fils bien-aimé est une chorale jeune qui fait dans un rythme de jeunes. Et c'est vraiment accrochant. Et ça amène plusieurs personnes à adhérer à leur slogan « Lumière du monde ». Les fidèles de la paroisse sont témoins de l'action. Devant la chaire, le pasteur, chef de paroisse, reçoit les dons au nom du Seigneur. Fils bien-aimé est un groupe qui compte environ 60 membres actifs, essentiellement constitués d'élèves, d'étudiants et débrouillards. Ses activités principales portent sur la louange et la diaconie, c'est-à-dire l'assistance portée aux membres de la paroisse en situation d'événement heureux ou malheureux. À ces activités s'ajoutent les retraites spirituelles, les causeries éducatives, le sport et les formations des membres, ce qui permet à chaque choriste de construire sa foi en même temps que des compétences multiformes pour être utile dans la société et agir en citoyen accompli. En dehors de la liturgie chantée, qui est le fondement d'une chorale, Fils bien-aimé multiplie les activités spirituelles, sportives et socio-culturelles avec pour résultat et effet direct le renforcement de la communion et des liens de fraternité entre les membres de la chorale. Ce qui me motive de rester dans la chorale Fils bien-aimé, c'est d'abord la communion fraternelle, l'amour les uns pour les uns et les autres. Et je rends aussi grâce au Seigneur pour cette chorale, parce que dans cette chorale, j'ai su ce qu'on appelle l'endurcissement dans le Seigneur, comment résister au diable et pouvoir avancer avec l'Éternel. Dans cette chorale, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Créé le 26 mars 1989, plusieurs générations de choristes sont passées dans Fils bien-aimé. Cette chorale qui chante au départ en langue Mengaka, dialecte de l'Ouest Cameroun, parlé dans le département des Bamboutos, arrondissement de Galim, s'est très vite ouverte au français et à l'anglais, ainsi qu'à d'autres langues nationales. Aujourd'hui, la chorale chante en une diversité de langues, y compris des pays voisins comme le Sango centrafricain. L'évolution du groupe ne concerne pas que ses membres. Elle a d'abord touché à sa structure organisationnelle et son fonctionnement. On avait un statut qui, certes, changeait régulièrement, mais il changeait pour s'adapter à nos aspirations. Et on avait donc organisé le bureau et défini
les missions de chaque membre. Mais seulement, le groupe était, comme je l'ai dit dans mon mot, le premier mot, était bâti sur la foi. Quand on avait un projet, je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'on faisait pour le réaliser, mais on le réalisait. Au fil des années, Fils bien-aimé s'est donné un concept musical, chanter la Bible. Elle a construit les talents des techniciens et chanteurs qui s'appliquent à développer et pérenniser ce style. Allez donc comprendre, car qui dit Fils bien-aimé dit ambiance évangélique. Les groupes de jeunes sont caractérisés par une rotation des effectifs, ce qui entraîne une instabilité de leurs membres due au fait que plusieurs vont se former ou chercher du travail dans d'autres localités ou pays. Fils bien-aimé, qui n'échappe pas à cette réalité, a réussi néanmoins à se hisser et se maintenir à un haut standard. Hermine Gayoum épouse Wafo, ex-présidente actuellement en Europe, précisément dans la ville de Bordeaux, continue dans la voie de l'évangile. Dans la chorale, vous avez dit, elle s'appelle Chorale Action Biblique. La chorale Action Biblique est donc en train d'aménager la salle pour le concert de ce soir. Et la chorale compte combien de membres? 12. 12 membres. 12 filles, c'est une chorale, c'est un cœur de femmes. Un cœur de femmes. Et si on demandait les différents rythmes que vous exécutez? Je peux dire quoi? On fait un peu du gospel africain, hein, comme tout le monde. Ok. Avec... Tout groupe de chœur rêve d'être mieux connu du monde entier par ses œuvres musicales. Mais pour Fils bien-aimé, avant d'aspirer à cette ouverture sur le monde, il fallait commencer par se faire connaître au grand public national, prendre le temps de créer ses compositions chantées, être vraiment sûr de la qualité de l'œuvre à produire, laquelle est arrivée enfin le 22 décembre 2013. Quand tout le monde qui admire et apprécie cette chorale semblait déjà s'impatienter. Il s'agit d'un amour de 10 titres. Quand je dis 10, je voudrais voir les 10 commandements de Dieu. Quand je dis 10, je voudrais voir les 10 régions du Cameroun. Commençons par les 10 commandements. Le Seigneur nous donne un ensemble d'instructions que nous devons suivre. Suivre pour avoir la vie. D'où le concept « Chantons l'espoir, chantons la vie » qui se cache derrière celui dit « ambiance évangélique ». 10 régions, c'est donc 10 rythmes par rapport aux différentes localités du Cameroun. Mais 10 régions aussi, c'est la musique, c'est les messages. Cet album titré « Rebroussons chemin » est porteur d'enseignements les plus complets. Il est une source d'édification et de formation pour les chrétiens. Et mieux pour le peuple de Dieu. C'est une œuvre à écouter pour forger sa foi de chrétien ou se créer une foi si on n'est pas encore chrétien. L'album musical est constitué de rythmes appréciés par toutes les couches sociales. On comprend que le CD a été travaillé avec beaucoup de tact et de minutie. Les richesses contenues dans les chansons de cet album tirent leurs sources dans les profondeurs des Saintes Écritures. Vous l'avez bien compris, la production de cet album musical a duré 15 ans, le temps pour un nouveau-né d'atteindre l'adolescence, voire l'âge couvert. Fils bien-aimé ne vous présente donc pas un bébé, mais un CD directement adolescent, qu'il faudra consommer sans modération. Car le produit que se veut ce CD, titré « Rebroussons le chemin », est un médicament. Il doit nous servir aussi bien pour notre thérapie spirituelle que pour notre guérison sociale. Aux grands produits, les grands acheteurs et les grands cadres pour les faire connaître. Pour la dédicace de son premier album musical,
fils bien-aimé, a choisi l'un des hôtels les plus huppés de Yaoundé. Il ne s'est nullement agi de trouver les voies et moyens de rentrer dans ses frais. La pratique des demandes d'aide n'entrant pas dans les habitudes et convictions des fondateurs de cette chorale. L'album a été entièrement financé par une mécène du groupe, par ailleurs fondatrice d'une organisation d'appui, en l'occurrence Dynamique Mondiale des Jeunes, qui soutient ce groupe depuis 2010. À cette dame mécène se sont ajoutés les membres de soutien du groupe. Pour donc exalter le Seigneur de la meilleure manière, il fallait pour cette dédicace un cadre à la hauteur du Très-Haut. Une dédicace qui reflète la grandeur et l'honneur voué au Dieu Créateur. C'était aussi honorable pour ce groupe qui chante en priorité ses propres compositions, tirées essentiellement des histoires et enseignements bibliques. Nous chantons dans une église dimanche après dimanche en fonction des textes que nous avons. Ce sont ces textes des dimanches-là qui nous inspirent des chansons à travers lesquelles nous propageons l'évangile. Créée en septembre 1989, la paroisse EEC Mélène compte en 2019 plus de 3000 fidèles, en majorité des jeunes. Les deux tiers des fidèles sont des femmes. Dans la structure organisationnelle de l'EEC, la paroisse EEC Mélène appartient au district Centre 2 de la région synodale du Centre Sud 2. Avec deux pasteurs résidents et une femme pasteur proposante avec délégation pastorale, cette paroisse s'est créée une annexe modérée par un évangéliste. Fils bien-aimé est l'un des six groupes de jeunes que constitue cette paroisse. Il est dirigé par un bureau suffisamment encadré pour être à la hauteur de sa tâche. Lorsqu'on est à la tête d'un groupe, il est important d'écouter et de prendre du recul avant de prendre des décisions. Et les décisions qui sont prises ne doivent pas être pour plaire aux humains, ça doit être des décisions qui forment l'homme. Parce que nous ne devons pas aller à l'église pour essayer de bâtir des temples, mais nous devons travailler à l'église à bâtir des humains. C'est-à-dire quoi concrètement? À l'image du Christ qui... Et lorsqu'on a amené à lui la femme adultère, il n'a pas d'entrée de jeu condamné la femme adultère. Il a plutôt demandé celui qui se sent n'avoir pas commis de péché qu'il jette le premier la pierre. Ceci est une morale pour dire que nous ne devons pas regarder aux fautes des autres, mais nous devons regarder à ce que si nous étions plongés dans les mêmes conditions que cette autre personne qui est dans la faute, est-ce que nous serions indemnes de cette faute? Il faut donc s'apprêter à régler des petits écarts de comportement, à régler des petites querelles de jalousie, à régler des petits problèmes de malentendus, ainsi de suite. Donc, il faut être posé et prendre du recul pour parler aux gens. Il faut parler aux gens, il ne faut pas parler des gens et non pas accepter qu'on parle des gens. Il faut aller parler aux gens. Le 5 août 2018, un nouveau bureau est installé. Jean-Pierre Noutadier, le nouveau président, a utilisé ses initiales pour former le slogan de son mandat. JP, c'est-à-dire j'ai peu, jeunesse peu et Jésus peu. Au-delà du slogan, c'est une sorte de conviction à laquelle adhèrent anciens et membres actuels du groupe. En tout cas, les nouveaux responsables sont confiants. Ils présentent ici leurs ambitions pour ce groupe dont ils vont désormais conduire les destinées. L'objectif est de fonder une chorale solidaire, unie. Et surtout, qui doit vivre l'amour et la prière. Car la famille, nous avons des choristes qui sont capables de manifester, de mener une vie d'amour et de prière. Vivre une union fraternelle à travers la solidarité, la prière, l'amour, dans le but d'avancer ensemble. En fait, pour que chaque choriste se sente dans la peau d'un être vraiment digne de Dieu, par son comportement, ses actes, tout ce qui va avec. L'installation donne lieu à une fête qui rassemble toutes les catégories des membres. Certains anciens membres sont partis d'autres villes et régions du Cameroun pour y prendre part. La fête commençait en paroisse continue chez un membre fondateur du groupe, l'un des plus anciens membres encore en activité dans la chorale, le conseiller du groupe Duplex Kwenzop.
L'implication des anciens membres a une raison fondamentale. Les anciens dirigeants expliquent pourquoi ils croient en ce bureau. Nous vivons une installation à nulle autre pareille. Une installation du bureau que Fiskin n'avait jamais connu auparavant. D'abord en paroisse, on a pris pratiquement une heure de temps pour installer ce bureau. Alors que ce n'est pas souvent le cas. C'est des choses qu'on fait généralement à la hâte. 10-15 minutes, c'est fini. À l'occasion de l'installation du nouveau bureau de Fils bien-aimé qui est tout jeune, à qui nous avons passé le témoin pour qu'il puisse hausser la chorale Fils bien-aimé vers le haut avec le sang frais. Nous partant déjà, il fallait qu'il y ait une relève. Ce qui fait que de par leur enthousiasme, vraiment nous sommes contents et que nous voulons que Dieu leur donne la force et le courage de pouvoir tenir ce bureau. Nous serons là derrière pour le soutenir quand besoin il sera. Ce groupe a la particularité que tous les membres, anciens et nouveaux, se connaissent et se soutiennent. L'implication de tant de catégories de membres n'est pas un hasard. En effet, le bureau installé suscite beaucoup d'espoir. Il est constitué de jeunes qui ont, en quelques années, prouvé leur bonne foi et leurs aptitudes en gestion humaine. Leur préparation, tant académique que spirituelle, convainc les membres actifs du groupe, autant que les anciens dirigeants qui voient en cette nouvelle équipe dirigeante des jeunes qui relèveront beaucoup de défis. Oui, beaucoup de défis. Déjà, je suis contente parce que la jeunesse est intellectuellement assise. Donc il y a des choses qu'ils ne vont pas regretter en les posant. Mais ils auront toujours besoin de petits conseils parce que l'expérience, c'est les années écoulées et ce qu'on a vécu. Donc on leur apportera cela pour faire rehausser la chorale Fils bien-aimé. Les premières actions du nouveau bureau se démarquent du commun des autres groupes. Il prouve son esprit d'ouverture et d'apprentissage. Il veut que chacun cultive des automatismes importants pour la vie chrétienne. Pour cela, des personnes ressources tant internes qu'externes sont sollicitées sur des thématiques aussi variées, parmi lesquelles la non-violence. Le fondateur de l'Institut de formation du mouvement pour une alternative non-violente, François Lupito, est accueilli pour un atelier de renforcement des capacités. Au terme des échanges, celui-ci découvre un groupe particulier et apprécie le dynamisme et le sérieux des membres de cette chorale des jeunes. Je vous ai écouté, je vous ai entendu et j'ai enregistré. J'étais un peu loin pour filmer, mais je vais rapporter votre dynamisme dans ma paroisse. C'est la paroisse catholique, mais c'est aucune importance. C'est cette force de vie et la force d'aimer, et j'entends. Les responsables techniques du Fils bien-aimé sont à l'œuvre pour maintenir le standard du groupe en matière d'exécution des chants. Le groupe est ainsi apprécié pour ses prestations scéniques et artistiques et pour les messages contenus dans ses chants. Ce qui fait que la chorale est souvent sollicitée pour des prestations hors de la paroisse, même dans d'autres régions du pays, pour offrir des concerts, animer des cultes et célébrations culturelles, des commémorations et actions de grâce ou pour des bénédictions nuptiales. Mais il faut bien reconnaître que tout n'a pas toujours marché comme sur des roulettes. Ce succès s'est construit à partir des difficultés internes que le groupe a traversées au fil des années. Le mouvement du maintien de la paroisse en 2008 a entraîné certains de nos choristes. Au point où l'une des nôtres est allée engager la signature du groupe, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Ce qui fait que, en tant que président, il fallait réagir. Parce que face à cette situation, un président, c'est lui le garant du groupe. S'il faut répondre, c'est à lui qu'on doit poser la question.
Donc je me suis retrouvé en ce moment-là en train de suspendre le membre du haut de la chaire. Face à ces difficultés, la chorale a souvent trouvé des solutions qui se sont montrées peu durables. D'essai en essai, le groupe parvenait à résoudre ces conflits, mais de nouveaux conflits faisaient comprendre que les solutions adoptées avaient certaines lacunes. Le groupe a donc recherché des appuis externes. Dynamique mondiale des jeunes, DMG, une organisation de la société civile qui encadre effectivement la jeunesse, s'est trouvée être une structure capable d'apporter des solutions durables à ce groupe. Notre accompagnement de fils et de mère se situe dans le cadre du service civil pour la paix. Et nous travaillons à rendre les jeunes, entendus filles et garçons, capables de jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir de notre pays, le Cameroun, et représenter leurs intérêts de façon non violente. Aussi, en appuyant ce groupe de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Mélène notamment, nous avons voulu que des initiatives intergénérationnelles soient prises en compte et que ces intérêts facilitent le dialogue entre les jeunes et moins jeunes sur les intérêts contradictoires et communs. Cet accompagnement a duré une dizaine d'années et a couvert de nombreux domaines permettant ainsi au groupe de grandir à la fois spirituellement, techniquement et socialement. Pour y parvenir, il s'est agi de former des jeunes capables de s'en sortir devant diverses situations de la vie, des jeunes capables d'apporter des réflexions critiques et constructives dans l'animation de la vie communautaire, mais aussi de la vie dans la société plus élargie. Notre collaboration avec Dynamique Mondiale des Jeunes de 2010 à 2019 a été essentiellement basée autour du renforcement des capacités. Nous avons eu plusieurs formations au rang desquelles. L'outillage aux techniques de gestion d'un groupe de jeunes, les techniques de rédaction des rapports, les techniques de prise de notes, les techniques de montage et de gestion des projets, les techniques d'animation des séminaires. La communication en public et sur les médias, la non-violence, la maîtrise des logiciels tels que Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Sari. Nous avons aussi fait une formation sur la citoyenneté active. Nous avions parlé de l'amour de la patrie, le respect des institutions et du droit, la confiance en soi, le réarmement moral. Nous avons fait une formation sur l'organisation d'événementiel. Le travail en équipe, qui consistait à collaborer avec les autres, à une écoute active, à la tolérance et bien d'autres formations. Du moment où DMJ ne dicte pas à ses cibles des solutions toutes faites, l'approche a consisté en un cheminement progressif, impliquant les membres du groupe dans chaque stratégie pour trouver une solution à des problèmes spécifiques. Les résultats se font progressivement sentir. Le groupe devient de plus en plus capable de trouver par lui-même ses propres orientations originales, des solutions alternatives aux problèmes qui, jadis, étaient des pierres d'achoppement pour les membres pris individuellement ou pour l'ensemble du groupe. Autre effet non négligeable lorsqu'il s'agit de l'animation de la jeunesse, l'accompagnement des DMJ a fait prendre de nouvelles habitudes et pratiques au groupe, notamment la pratique démocratique, bien inscrite au préambule dans les statuts des fils bien-aimés. Un dirigeant, ou du moins moi, c'est comment j'essaie d'appliquer, il doit s'arranger à ce que tous les polices participent à la prise de décision. Un président doit s'arranger à ce que tous les rapports de cette activité doivent être écrits toujours pour permettre le travail, non seulement parce que le travail aux générations antérieures, mais aussi pour faciliter le suivi. On ne construit pas l'homme à la hâte. Transformer des comportements, des attitudes et aptitudes a nécessité de nombreuses rencontres, des ateliers de renforcement des capacités, des moments d'apprentissage par l'action, des travaux de recherche, le tout accompagné d'activités de suivi et évaluation. Tout cela a nécessité une grande concentration de temps, du temps qui est estimé en années. En 10 ans d'accompagnement, fils bien-aimé qui a 30 ans d'âge en 2019 est devenu une chorale mature.
elle va se lancer dans un ambitieux projet de célébration de son trentenaire. De noces de perles, s'il faut allier cela au mariage avec le Christ. Pour rehausser ce trentenaire, la chorale intègre des activités ludiques et s'attache au partenariat des DMJ et la collaboration de plusieurs paroisses chrétiennes. À travers elles, des chorales comme Daily Star de la paroisse EEC Mendon sont associées. Le trentenaire est ouvert au grand public. Dans cette perspective, les activités doivent se dérouler sur plusieurs sites, surtout que la thématique arrimée au contexte en donnait l'opportunité. Il convenait alors de bien s'approprier la thématique choisie afin de mieux l'expliquer aux cibles, car en effet, la quête de la paix à travers la justice doit être bien comprise pour que chacun à son niveau se rende responsable de ce qui peut survenir à l'humanité. Nous essayons de faire une planification de sorte que tous les sujets soient discutés et que les uns et les autres s'approprient les tenants et les aboutissants. Si je prends le cas du 30e anniversaire et la thématique « Qui veut la paix travaille pour la justice », nous avons amené les choristes membres de Fils Bien-Aimés à comprendre que notre contexte mondial aujourd'hui, notre contexte africain, notre contexte camerounais, notre contexte même au sein de l'église évangélique du Cameroun et par extrapolation dans plusieurs communautés de foi et religion, est miné par des situations qui empêchent effectivement l'épanouissement des êtres humains. Et ces situations qui empêchent l'épanouissement ne sont autre chose que les injustices. Ça commence d'abord à la maison. C'est à la maison qu'on doit commencer à inculquer ces valeurs de justice, d'équité, de paix à nos enfants. Si on laisse l'enfant croire à tout ce qu'il peut croire, on va justement tomber dans cette dérive-là. Parce qu'il faut noter que notre éducation aujourd'hui n'est pas seulement faite à la maison. Elle est également faite en cours de route. Entre l'école et la maison, il y a une éducation qu'on reçoit des camarades de la société même. Et puis à l'école, il y a une autre éducation qu'on nous donne. Les biens des orphelins sont ravis, les veuves sont abandonnés, les innocents vont en prison, les lois ne sont plus respectées. Comme précédemment évoqué, en 2019, la chorale Fils Bien-Aimé a eu 30 ans. 30 ans, âge de la maturité, cela se fête. Mais pas à la légère. Fils Bien-Aimé a opté pour une célébration à thème. Les dirigeants de la chorale entendent donner à l'événement une dimension internationale et une coloration multidisciplinaire, multiculturelle et multisectorielle. La valeur du trentenaire est ainsi définie et son envergure circonscrite. Comme pour réaliser de grandes actions, il faut bien se préparer, un éventail d'activités est programmé qui cible des publics divers et variés. Un groupe chrétien met Dieu et la spiritualité au devant de tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose te sera donnée cadeau, dit la chanson. Pour cela, avant d'aller vers les publics cibles, le groupe a ouvert son trentenaire par une retraite spirituelle inaugurale des activités. Des ecclésiastiques venant de plusieurs confessions religieuses des églises membres du Conseil des églises protestantes du Cameroun, SEPCA, réfléchissent sur le thème central du trentenaire avec les membres du groupe et la soixantaine d'autres participants à la retraite spirituelle. La femme a dit, quand on la met devant Jésus, c'était pour quoi? C'était pour la lapider. On pose donc la question à Jésus. La justice voudrait donc qu'une femme prise dans un pareil état soit lapidée. Mais Jésus lui dit, ça c'est la justice des hommes. Mais ma justice, la justice qui vient de Dieu, c'est une justice qui pardonne, c'est une justice qui ouvre les portes, c'est une justice qui donne la vie. Malheureusement, nous savons que la justice des hommes, vraiment, donne que la mort. L'injustice se fait ressentir dans plusieurs sensibilités de notre être. Moralement, je peux être injuste par rapport à quelqu'un qui attend un sentiment d'amour de moi et qui ne reçoit de moi qu'un sentiment de haine. Si tu veux la paix, travail pour la justice est le thème du trentenaire tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 32, verset 17, qui dit clairement, l'œuvre de la justice sera la paix
est le fruit de la justice, la sécurité pour toujours. Ce thème doit être expliqué au public appelé à participer aux activités du trentenaire. Pendant la retraite spirituelle, les jeunes membres du groupe et leurs invités ont posé moult questions pour bien comprendre eux-mêmes les enjeux et la problématique au centre du thème du trentenaire. Dans le Nouveau Testament, le terme justice renvoie nécessairement à une situation relationnelle. Être juste, c'est faire la volonté de Dieu. Mais il y a des situations, il y a des niveaux où c'est moi-même. J'arrive à un contrôle de police et puis le policier prend le dossier de mon véhicule, il garde sans me dire en quoi je suis en infraction, sans me dire quelle pièce manque dans mon dossier. Il faut que j'aille le supplier, il faut que je lui donne 1000 francs. Et puis je donne 1000 francs en le maudissant. Amener les cibles à adhérer et faire leur la question de justice passe par des sensibilisations, bref, la communication pour le changement des comportements. C'est ici que les membres de Fils Bien-Aimés doivent mettre en application les compétences acquises durant l'accompagnement par DMJ. Les activités du trentenaire de Fils Bien-Aimés sont une constellation d'actions d'évangélisation. Elles doivent concourir à amener les cibles à donner leur vie à Christ et à appliquer l'évangile de façon pratique. Le judaïsme, l'islam et le christianisme sont des religions monothéistes qui présentent Dieu comme un Dieu de paix, un Dieu qui pardonne et surtout un Dieu juste. Le thème justice renvoie à une notion, voire un concept polysémique qui a plusieurs définitions. Laquelle de ces acceptations la chorale Fils Bien-Aimé doit-elle faire valoir pendant la célébration de son trentenaire et au-delà? Le trentenaire s'ouvre à des masses populaires d'obédience diverses et certainement à des masses qui incluent aussi des personnes qui n'ont aucun positionnement religieux. Or, la notion de justice est-elle la même pour chacune des confessions religieuses ou chacune des catégories des destinataires des messages qui seront disséminés? Nous essaierons de sensibiliser, n'est-ce pas, les différents choristes sur la notion de justice. Parce que quand il y a le chapitre d'Ésaïe dit « Le fruit, l'œuvre de la justice sera la paix », ça veut dire quoi? Il ne peut avoir de paix sans justice. Quand il y a les injustices, forcément, ça entraîne les violences. Lors de la conférence interreligieuse qui a eu lieu dans la salle polyvalente du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, SEPCA, des imams, prêtres et pasteurs redonnent la compréhension divine de cette notion et son application par les créatures humaines. Toutes les religions prônent l'amour, la tolérance et la justice. Musulmans, catholiques et protestants ont expliqué chacun dans sa croyance comment comprendre et appliquer la justice. Le public a posé des questions pour mieux cerner et appréhender les spécificités de cette notion afin de bien s'approprier ce à quoi Dieu appelle l'humanité. D'après l'islam, ce qu'on appelle justice a ses caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, il y a que la justice doit être dépouillée de tout sentimentalisme. Vous rendez la justice sans tenir compte de certains aspects qui nous entourent, à savoir par exemple la race, la classe sociale, l'appartenance ethnique ou même la couleur de peau. Vous rendez la justice telle qu'elle, parce que vous avez été envoyé sur terre pour établir cette justice-là. Concernant la justice sociale, la position de l'Église catholique qui est au Cameroun, c'est souvent manifesté par de nombreuses déclarations face à l'histoire ou aux événements qui marquent notre pays. Ainsi, la doctrine sociale de l'Église est assez claire. On ne peut pas parler de paix sans justice. On ne peut pas parler de paix sans pardon ni réconciliation. Et c'est ce que nous avons essayé de relever aujourd'hui au cours de cette causerie interreligieuse. Et cette prise de position n'est pas contre, mais c'est une prise de position qui relève ce qui va bien et qui souligne ce qui va moins bien. Et cet appel et cette invitation a toujours deux destinataires. Le premier destinataire, c'est le chrétien lui-même. Un chrétien qui veut vivre à l'image du Christ ou de Dieu doit être juste. Que peut-on retenir des différents débats?
Le message est-il tombé dans des oreilles de sourds? Que non, ceci a donné lieu à des engagements. Plusieurs participants ont décidé de servir d'exemple afin de transformer positivement leur milieu de vie à travers leur comportement. Pour qu'on ait une paix véritable, pour qu'on lutte effectivement pour cette justice, on doit davantage être juste nous-mêmes. Donc je pense que cette conférence nous a encore amené à comprendre que le débat, le combat, c'est individuel. Le combat reste individuel avant d'être social. Moi, je vais me battre pour la justice et je pense qu'en me battant, je vais apporter la justice autour de moi et tout le monde sera enfin juste si chacun le fait. Les membres du Fils bien-aimé et plusieurs de leurs supporters et sympathisants s'étant appropriés le thème central de leur noce de perles, on est passé aux activités ludiques du trentenaire. D'abord, le sport. Ne dit-on pas qu'il faut un esprit sain dans un corps sain? Comme le veut la tradition sportive, le sport s'est fait avec des tenues appropriées. Fils bien-aimé a décidé d'en offrir aux 8 équipes engagées dans les 2 tournois de handball féminin et football masculin. Des tenues qui ont été officiellement remises en public au cours d'un culte. Après donc les activités de recueillement, la suite du trentenaire est très sportive. La première discipline est individuelle. La force de mobilisation du groupe commence à se faire voir. Jeunes hommes, jeunes filles, hommes d'un certain âge et femmes de tous les âges se sentent concernés. Certains offrent leurs services en qualité d'encadreur ou officiel, d'autres participent comme athlètes. Près de 100 coureurs se lancent dans les rues des communes de Yaoundé 6 et 7, dans un mini-marathon baptisé « La course chrétienne pour la justice et la paix ». Sur une distance de près de 7 km, les meilleurs se démarquent, mais pas aussi facilement. Ce que je vais dire par rapport à la victoire que j'ai gravée aujourd'hui, ce n'est que l'entraînement et le fait que je me confie au très haut. Je suis avec lui dans tout ce que je fais. Je crois que ce marathon a véritablement passé un message de paix parce qu'à travers le circuit, les personnes pouvaient observer et lire ce qui a été écrit sur le maillot. Et ils ont compris qu'on prend véritablement la paix à travers le sport. Vous savez que le sport est un facteur de cohésion et d'union. Toutes les compétitions sérieuses prennent des dispositions particulières pour l'encadrement, la sécurité et la santé des sportifs. Fils bien-aimé n'a pas dérogé à la règle. Si ici, le sport s'affirme comme l'affaire de tous, il faut bien prévoir qu'un accident peut survenir. Et dans un tel cas, on doit être en mesure de pourvoir valablement aux premiers soins. Au-delà des avantages personnels et des prix obtenus au bout de la course, le comité d'organisation a pensé à tout, y compris les imprévus. Durant ce mini-marathon qu'a organisé la Croatie bien-aimée, mon rôle était de gérer la couverture médicale. Et durant cette couverture médicale, nous avons administré des soins sur des personnes en détresse. Tout à l'heure, par exemple, nous avons une femme qui avait vraiment des problèmes de crampes, si bien qu'elle ne marchait plus. Nous avons fait des petits massages et elle s'est rétablie. Après les sports individuels, s'invite les sports collectifs.
quatre paroisses de l'église évangélique du Cameroun s'affrontent en football masculin et en handball féminin autour d'une saine compétition. Le ballon est certes rond, mais dans l'histoire du football et du handball, on connaît des équipes qui ont remporté la victoire par des manigances humaines. Ici, la notion de justice devait se vérifier dans la capacité des équipes à respecter les règles du jeu et des arbitres à jouer pour la transparence et l'objectivité. Et justement, à la fin, certaines équipes seront assez performantes jusqu'à éliminer la chorale organisatrice de la compétition. Les rencontres sportives de football masculin et de handball féminin qui ont eu lieu les 17 et 19 juillet 2019 lors du trentenaire des fils bien-aimés ont mobilisé quatre paroisses de l'église évangélique du Cameroun. La paroisse de Nkozoa, la paroisse de Messassi, la paroisse de Korezok et la paroisse qui abritait l'événement, la paroisse de Melaine. Lors des rencontres finales, la paroisse de Korezok a remporté tant au handball féminin qu'au football masculin. Les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Si pour trouver un emploi, on exige l'expérience professionnelle, il faut bien savoir où aller la chercher. Les professionnels de l'orientation scolaire et académique restent théoriques pendant que le jeune veut toucher du doigt les réalités du monde professionnel. Fils bien-aimé a donc voulu rapprocher les jeunes des potentiels employeurs, à charge pour ces jeunes d'apprécier les clés qui ouvrent les portes à l'emploi et que les employeurs ne livrent pas toujours. Sopecam, la société de presse et d'édition du Cameroun, a été choisie d'une part pour sa longue expérience dans le domaine de l'imprimerie, d'autre part parce qu'elle emploie plusieurs corps de métier. Des journalistes de la presse publique Cameroun Tribune à la micro-édition, de l'impression offset à l'impression avec des bobines de papier, de la reliure avec couverture plastifiée à la reliure avec couverture vernie, des techniciens de contrôle aux techniciens de réparation. Il y avait tellement à apprendre de ces différents corps de métier qui sont des opportunités à ne pas négliger. Nous allons d'abord descendre voir la partie pré-presse. Ensuite, nous allons revenir ici voir la partie imprimerie pour impression. La justice divine appelle à côtoyer ceux qui sont en situation particulièrement difficile. Venir en aide à son prochain qui est nécessité fait partie des exigences bibliques. Les évangiles racontent cette parabole de la visite du Christ qui dira à d'aucuns, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu et tu ne m'as pas habillé. J'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. En substance, cette parabole ne parle pas directement de l'injustice, mais d'une forme courante de marginalisation et d'abandon qui contraste avec la justice. Les détenus, les prévenus, les prisonniers coupables ou non, peuvent vivre toutes sortes d'injustices. En cela, la chorale Fils bien-aimé, qui devait appliquer elle-même les enseignements reçus lors de la retraite spirituelle et de la conférence interreligieuse, a décidé de leur venir en aide. Détenu pour les mettre et aller au tribunal devant le juge. Parce qu'il y a des prisonniers qui vont, n'ont même pas de détenus. Ils arrivent parfois devant le juge, il y a des prisonniers qui arrivent devant le juge. Le juge cache le nez parce qu'il dégage. Donc nous allons leur donner un peu de savon, un peu d'aloe vera pour pouvoir mettre sur la blessure. Fils bien-aimé, chorale qui a 30 ans d'âge, ne détruit pas ses fondements. Au contraire, les nouveaux membres s'appuient sur l'expérience de leurs aînés pour connaître son histoire, connaître les difficultés qui ont à des moments donnés secoué le groupe. Ils s'en inspirent aussi pour apprécier comment les anciens ont fait pour s'en sortir. La soirée des leaders a pour ainsi dire rassemblé les anciens dirigeants, les présidents en l'occurrence, autour des membres actuels du groupe pour revivre l'histoire, partager l'ambiance d'antan et les clés du succès, se donner des conseils mutuels. Beaucoup de réflexions et d'interrogations ont guidé les échanges et on a pu comprendre que dès le départ, le groupe avait souci du devenir de son membre.
Ma question est de savoir comment étaient les relations entre le fils bien-aimé et les autres groupes de la paroisse. Chanter, c'est prier deux fois, disent certains, dans sa logique d'impliquer les autres croyances religieuses à sa fête et prôner manifestement par là même la liberté des religions et de croyances. Un méga concert interreligieux a été organisé. Y ont pris part les chorales musulmanes, catholiques et protestantes. C'était l'occasion de découvrir des rythmes les plus divers et les plus variés. La très grande majorité de chrétiens présents y découvraient pour la première fois qu'il existe des chorales musulmanes. Au-delà de tout, le multiculturalisme a été valorisé, même de par le lieu choisi pour sa tenue, le Centre culturel camerounais. Des chants en français, anglais, arabe, ainsi qu'en langue vernaculaire camerounaise, ont régalé les appétits de la masse des spectateurs, emporté dans une ambiance assurément évangélique. Des prestations en one-man show ou guest star ont aussi surpris par leurs messages poignants et interpellateurs. Je pense, résonne et prie car oui, je suis fait debout. Je tremble et supplie lorsque je songe à tous les coups que subit l'humanité sacrifiée pour une poignée de sous. Que sont obscures, mécréantes et bien cheloues ces visions de la foi qui pousserait Dieu lui-même à bout. Le méga concert interreligieux clôture les activités socio-culturelles grand public du trentenaire. Mais jusque-là, aucun hymne officiel n'a encore été adopté pour les noces de perles du groupe. Au cours du méga concert, le public devait choisir ce que Fils bien-aimé devait adopter comme l'hymne de son trentenaire. Un concours avait préalablement été lancé afin de donner l'occasion à toutes les chorales volontaires de faire valoir leurs talents en matière de composition hymnologique et participer à la compétition. Les informations sur le dit concours avaient été diffusées dans plus de 23 lieux de culte à travers les médias, y compris les réseaux sociaux, afin de donner la possibilité de sélectionner au sein d'un grand nombre l'hymne à adopter. Les conditions du concours devant aboutir à ce choix, ainsi que les groupes ayant répondu, ont été rappelés. On a connu la participation de 4 groupes. Le concours qui a commencé le 2 février s'est achevé le 23 juin 2019. Ceux qui ont eu l'occasion d'être en tête des listes, nous avons premièrement ceux qui viennent de sortir, notamment Union Chrétienne des Jeunes Gens de Mer. Merci. Et comme en second, nous avons eu la première chorale qui a eu à prester ici, notamment la chorale Naraï Dekonozok. Merci. Et en troisième position, bien évidemment, c'est la chorale NL26 de Mélène qui est en position. Trois des quatre groupes qui ont fait des compositions sont présents. Du moment où on ne choisit que ce qu'on connaît, à tour de rôle, chacun des groupes en compétition a fait connaître au public le fruit de sa création artistique. Toutes les compositions sont originales, mais une seule doit gagner l'estime totale du public.
et après avoir écouté les groupes chanter chacun sa propre composition, le public a choisi. Si vous pensez que ce soir c'est fils bien-aimé, applaudissez, fils bien-aimé. Au-delà de la célébration du trentenaire, l'investissement fait par Fils Bien-Aimé pour lutter contre les injustices doit être compris comme la capacité de ses membres à lire leur environnement et apporter leur contribution à la résolution des problèmes qui le mènent. La célébration du trentenaire de Fils Bien-Aimé a montré que des acteurs de la société civile luttent activement contre la fragmentation sociale. Ces jeunes se sont levés contre l'injustice qui oppose riches et pauvres, bourreaux et victimes, les inégalités construites et même fabriquées qui engendrent des divisions linguistiques, géographiques, ethniques, religieuses et politiques. La célébration du trentenaire de Fils Bien-Aimé montre que, puisque par acclamation, le public a choisi de commun accord ce qui tient lieu digne du trentenaire de Fils Bien-Aimé, les chorales présentes peuvent monter sur scène toutes ensemble cette fois-ci pour chanter ensemble des chants communs et surtout prendre une photo de famille et exécuter en commun l'hymne adopté comme chant de ralliement du trentenaire. Le méga concert se boucle par des réjouissances en beauté. Dès lors, on commence à évaluer si les objectifs visés par les activités depuis une semaine ont été atteints. On note globalement que la célébration du trentenaire a réussi grâce à des stratégies mises en place par le comité d'organisation. Nous nous sommes donné l'objectif de travailler à restaurer les valeurs de paix et de justice dans notre société. Et nous croyons qu'à travers la retraite spirituelle, le débat œcuménique qui regroupait les catholiques, les musulmans et les protestants, ainsi que le concert interreligieux que nous avons également fait, nous croyons que les jeunes qui se sont mobilisés pour chacune de ces activités sont sortis avec quelque chose qu'ils pourront transmettre autour d'eux. Ils pourront travailler à restaurer véritablement ces valeurs de paix dans notre société et pour une société plus juste. S'il faut parler des clés du succès de l'organisation d'un événementiel comme ce 30e anniversaire, je voudrais mettre l'accent d'entrée de jeu sur la prière. En gros, la clé du succès d'un événementiel, c'est la conception, c'est la préparation, c'est le contrôle, le suivi, l'évaluation de l'exécution, c'est la distribution des tâches avec des cahiers de charges bien précis, c'est l'implication du plus grand nombre afin que personne ne soit submergé par un travail ou par un autre. Les activités du trentenaire se bouclent par un culte de clôture. À la fin de ce culte, la joie du départ qui s'est lisée sur les visages au début de la semaine de célébration s'est décuplée. Preuve que les résultats escomptés ont été atteints. Cette lecture est commune tant du côté des choristes simples que du côté de ceux qui étaient au four et au moulin. Le comité d'organisation a évalué le parcours de la célébration du trentenaire et donne ainsi son appréciation. Ce grand parcours qui a débuté depuis l'année 2018 et qui s'achève aujourd'hui, on va dire dont la célébration s'achève aujourd'hui parce que les actions vont continuer. On peut dire globalement que nous sommes satisfaits. Parce que l'un des plus grands objectifs que nous avions lancé était la mobilisation des trois générations qui constituent la chorale Fils Bien-Aimé. Depuis le président fondateur jusqu'à la dernière choriste qui est arrivée il y a quelques semaines. Cet objectif a été réalisé. Nous avons pu mettre sur pied un groupe WhatsApp qui regroupe aujourd'hui plus de 120 membres. D'abord, j'ai été satisfait du comité d'organisation qui a été mis sur pied pour le travail abattu. J'ai également été satisfait des intervenants quand tous ont effectivement répondu favorablement à leur thème de référence en respectant exactement quelles sont les consignes qui ont été écrites au niveau des thèmes de référence. Une soirée de gala pour tout clôturer
Exit la fête du trentenaire. En présence d'invités ordinaires et de marques, dans une salle spécialement apprêtée pour cette grande fête. Tout le monde se réjouit pour ce groupe devenu majeur au bout de ses 30 ans. Mais pendant qu'on fête, on parcourt les différentes clés qui ont permis d'aboutir au succès. Oui, pendant l'organisation du trentenaire de la chorale Fils Bien-Aimé, nous avons juste mis en pratique tout ce que nous avions appris à la DMJ. Depuis l'élaboration des thèmes de référence de l'événement jusqu'à la communication à travers les médias, dans les paroisses, les lettres, même la rédaction même des courriers administratifs pour rencontrer les différents groupes qui devaient prendre part à l'événement. Ça a été véritablement le moment également de mettre en application l'organisation des événementiels que nous avons appris. Parce que ça a été toute une semaine d'activité. Il fallait davantage se servir de ces outils reçus-là pour mieux planifier cette semaine de célébration. La communication a été vraiment super parce que nous avions maîtrisé l'outil informatique, même la communication orale a été valorisée et la DMJ nous a juste donné un accompagnement financier. Le gâteau du trentenaire peut être coupé. Évidemment, tout ne s'arrête pas. Nous envisageons mettre sur pied une entreprise au niveau de la chorale Fils Bien-Aimé pour permettre aux jeunes de déployer leurs talents et dorénavant, pourquoi pas recruter même les gens du dehors pour qu'ensemble nous glorifions le Seigneur en travaillant et avoir un peu d'argent pour facilement atteindre nos objectifs initialement prévus. Un groupe bien accompagné apprend à marcher par lui-même et peut se lancer dans de grands projets. Jeunes.